Le projet de prolongement de la ligne B suit son cours à Oullins. Sous la place Anatole France, emplacement de la future station Oullins Centre, les travaux de dévoiement de réseaux d'eau et d'assainissement sont en action depuis mai dernier. Jusqu'ici, les réseaux, toutes sortes de réseaux étaient au milieu de la place. Ils passaient vraiment à travers la place Anatole France en souterrain. Et comme demain, on va creuser la station de métro, on a besoin de les sortir de notre future station, de notre future boîte. Donc on les colle aux parois de la place pour les mettre au plus près des façades et qu'on puisse creuser derrière notre station. Ces actions sont menées par les concessionnaires respectifs. Ils préparent le terrain aux travaux de génie civil qui consisteront ensuite à creuser la station. Une succession de phases toutes imbriquées qui rendent fatalement le site moins accessible au public. Il y a des emprises, j'aime bien dire, qui se déplacent en touche de piano. On va, on vient. Et il peut y avoir un jour 50% de la place qui est prise par les emprises chantiers. Et une semaine après, on rend le stationnement. Et puis trois semaines après, un autre dévoiement qui fait que ça peut re-être interdit au stationnement. Mais grosso modo, jusqu'à la fin des dévoiements, donc au printemps 2018, on essaye de laisser le plus de stationnement possible. Fin été 2018 débutera la phase de génie civil avec la construction à proprement parler de la station. Un ouvrage de 30 mètres de profondeur. Depuis un mois et jusqu'à la fin des travaux, le marché qui a lieu ici habituellement le jeudi est délocalisé sur le parking d'Hydro à côté de la mairie. Pour les clients et les vendeurs, il a fallu trouver ses marques. Bah, disons que ça n'a pas beaucoup changé parce que j'ai de la disponibilité le matin. Donc là, je ne change pas mes habitudes, hein. Ça ne fait pas marcher beaucoup plus long. Au contraire, ça me rapproche d'où j'habite. Donc ça m'arrange même que le marché soit ici. Les personnes âgées, donc on a plus de mal à les faire venir. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de reprendre des clients qui sont autour du marché, qui ne connaissent pas encore et qui découvrent au fur et à mesure. Le marché restera donc ici au moins pour 4 ans, le temps d'achever la station Oullins Centre.